Bonjour Vogue, c'est Diane Kruger. Je vous invite donc d'entrer dans ma chambre. Je vais me préparer pour la montée de marche pour la clôture du festival. L'intime extraordinaire. Bonjour. Et donc la robe que je vais mettre ce soir. Cette amie qui a été créée spécialement pour moi. J'ai beaucoup de chance. So hung. And I work together quite a bit, and so I really trust this opinion. The Ami dress is very sparkly and kind of modern and sleek. So we were thinking doing something a bit of a smoky eye, but not too dark. More softer. The hair, I think, is going to be quite simple, like just a low bun. Danielle and I work together a lot too, so she has the magic touch. En 2017, où était donc en présentation In the Fade, il y avait beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire que c'était la première fois que je jouais en allemand dans un film où vraiment je tenais le rôle principal. La montée de marche pour moi était épouvantable, vraiment j'avais peur, comme jamais j'avais peur avant, de la réaction qui peut être, comme on sait tous aussi, des fois très sévère à Cannes. Je sentais que ça allait être un rôle dans ma vie qui n'arrivera peut-être plus jamais, et je l'ai vécu comme un grand bonheur quand même. Alors l'histoire la plus folle qui vient à l'esprit, c'était en fait mon premier Cannes. Donc j'étais en tournage de Troyes, dans le film. Donc, je portais une perruque, donc, mes cheveux ils étaient tirés en arrière et bien collés pour qu'on puisse mettre donc, la perruque dessus. À Armagne à l'époque, ils étaient aussi gentils de mettre 2-3 robes dans l'avion pour moi à essayer. Et un coiffeur qui était donc venu avec l'avion, sauf qu'il n'était pas au courant que j'avais une perruque, donc impossible d'enlever le col qui est dans mes cheveux. Donc je me suis retrouvée avec une espèce de coiffure complètement scotchée, avec carrément des poussettes de col dans mes cheveux. C'était horrible. Donc vraiment, j'arrive cric-crac, tout le monde était assis déjà. Donc je rentre, je fais 5 pas et mon agent me marche sur la robe. Et je me prends, mais vraiment la salle plein de face. Vraiment, elle m'a marché dessus. Je marchais vite pour aller sur scène. Je fais ça. J'aime jouer des rôles qui montrent peut-être une autre facette de moi que je n'ose pas vivre, moi, dans le quotidien. Ça me plaît assez d'apprendre aussi des fois des choses différentes. Je sais pas, ça peut être, par exemple, pour le film, je commence là, je dois apprendre le crawl. Je suis une pilote de longue distance, donc je prends des cours de pilotage en ce moment, donc c'est sympa. J'adorais faire un film avec Michael Haneke. Moi, vraiment, j'adore son cinéma. Il a eu sa 2e Palme d'Or quand j'étais membre du jury pour Amour, et je pense que c'est un film qui m'a touchée le plus au monde, quoi. Ça et les rubans blancs. J'aime beaucoup Marlène Dietrich, par exemple, donc j'ai toujours rêvé de peut-être un jour pouvoir la jouer. Ben, on verra si ça se fait. J'adore, je suis contente d'enfin pouvoir le mettre. Oui, bah oui. Look at this thing, isn't that gorgeous? I mean, seriously, wow. Right? Wow. I mean, yeah. Yes. I take it. Ça appartient à une bague aussi, si vous voulez la mettre. Marion. Allez, hop. C'est Alexandre qui m'a appelée pour Cannes parce que je cherchais des vêtements et il a proposé de faire quelque chose pour moi. Donc en fait, avec la styliste que j'utilisais, Carla Welsh, ils ont créé ça. On a travaillé tous ensemble, on voulait quelque chose de très Cannes mais en même temps très moderne. Et j'aimais beaucoup, il y avait quelques robes dans sa collection qui étaient dans ce tissu, donc on a repris ça. Ce soir, je vais aller remettre un prix, je remets meilleur acteur. J'imagine des gens qui ont été rappelés, ils sont... comme ça. Votre self-confidence sur le tapis rouge, il faut vraiment avoir une robe qui vous voit. Bah, le glam aussi, si les cheveux, les maquillages vous plaît. J'adore les bijoux aussi, c'est Chomé qui m'a prêté ce super collier ce soir et la bague, boucle d'oreille. Donc, je suis un peu stressée parce que je dois faire une disco, mais en même temps, je me sens prête. Et donc, ça y est, on y va. Bye, Bob. Merci.